Bon. Oh, j'ai laissé la palette. Bonsoir à tous, bonsoir. Lauriane Bayrou, Ayo Nguessa et la épouse Apolai, comment vas-tu? Ouais, moi je vais bien, merci, je vais bien. Oh là là, merci beaucoup, merci. Merci pour les cœurs, ouais. Faut toujours chercher la luminosité là, ça m'a retardé un peu. Morissette Vitran, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai passé une superbe journée. Ouais, je vais vous donner le temps tranquillement. Sarah Deborah, comment vas-tu? Grâce Kwasi, oui, je vais bien. Aruna Gur, Asana Boubacar, comment ça va? Moi, je vais super bien. J'espère que de votre côté, ça va. Oui, Joanna Kona, épouse Njoré, je vais bien. Ouais, je vous donne le temps. Vous prenez le temps de partager. Partagez déjà le direct. Hein, partagez parce que les choses que je vais dire, bon, je sais que ça ne va pas plaire pareil, là, mais bon. Comme je dis, là, je ne suis pas là pour gérer les humeurs. Mes premières vidéos que j'ai faites sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais géré les humeurs. Ce n'est pas maintenant, là, j'ai géré l'humeur de quelqu'un. Patrick Apo. Aqua Coquel, mon Dieu, c'est compliqué les noms parfois. Je vous demande de partager déjà le direct. Je ne vais pas trop traîner. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Là, déjà, je vous demande, je vous donne au moins, donnez-moi au moins quelques petites minutes, mais partagez. Ah, il dit Occident, ça sent mauvais. Ce n'est pas l'Occident qui sent mauvais. Ce n'est pas l'Occident. Oh, merci beaucoup, mon impacté. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Ok. Bon. Il fait nuit partout. Je sais que bon. Hey, mon fils, comment vas-tu depuis ta position? J'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Je ne sais pas quelle heure il est déjà de ton côté. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Ben, il est déjà minuit à des endroits là. Il reste un seul d'appel d'ici. Ok, je vais essayer de voir. C'est bizarre. Ok. Mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Avant tout, je voudrais essayer d'éclaircir deux situations d'abord. Oui, parce que maintenant, là, quand on fait les vidéos, il faut éclaircir des situations. D'abord, de un, là, même si je suis partie chez toi, si je suis déjà passée chez toi, ma vidéo que je suis en train de faire là, c'est pas pour toi. Les personnes que j'ai indexées dans cette vidéo-là, c'est des personnes auxquelles je dis clairement, hein, j'ai déjà exprimé à des personnes. Ces personnes-là, elles me connaissent au Canada ici. Elles me connaissent peut-être partout aux États-Unis, même en France. Mais ma vidéo n'est pas indexée à une personne. Parce que la saleté des Africains, là, ce n'est pas une seule personne. Vous-même, vous vivez partout où vous êtes là-bas. Là. Vous êtes allé à des endroits où vous avez vu qu'il y avait un problème d'hygiène. Donc aujourd'hui, là, ne pensez pas que quand on fait des vidéos, là, oui, quand tu te dis blogueur, mais tu te dis influenceur, là, c'est selon tout ce qui t'entoure, là. C'est par rapport à ça que tu traites un sujet. Donc, je n'indexe personne. Et puis, de deux, avant de rentrer même dans le vif du sujet, je tenais à dire que la femme africaine est une femme qui est propre de nature. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça soit une femme, c'est-à-dire qu'une façon de stigmatiser la femme africaine. Non. La preuve, nos mères qui sont dans des villages là-bas, bien qu'elles ne sont pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas beaucoup d'argent, bien qu'elles aient un peu de moyens, elles arrivent à tenir leur environnement propre. Donc, l'affaire de la saleté, là, c'est pas une question de non, les Africaines sont sales. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. La preuve, moi, je suis une Africaine. Il y a certaines Africaines aussi qui sont propres. Mais on est là pour critiquer des comportements. Vous avez vu le dossier de la femme ivoirienne ou le déterreur de frigo. On m'a envoyé une vidéo où le monsieur a donné sa version. La femme a donné sa version. Moi, l'impacteur, quand elle a fini de traiter un sujet là, je ne reviens plus dessus. Il y a dit qu'un garçon qui est venu déterrer un frigo, il n'a pas pensé à ses enfants. Tout ce que tu as dit après, je ne suis pas dedans. Mais aujourd'hui, là,
Il y a quelque chose qu'on est en train de prendre pour insulter les femmes. Cette femme-là, qu'elle a fait cette vidéo-là, le côté hygiène-là, elle n'a pas pensé à ça, hein. Nous autres, on a déjà remarqué ça dans la vidéo. Ma chérie, la vidéo que tu as mise sur les réseaux sociaux, là, le côté où tu vivais, là, hein, où c'est comme si la partie où la cuisinière est dans ta maison, là, c'est comme si tu en parlais avec là-bas. La partie où ton frigo est là, ça dit tu en parlais avec cette partie de ta maison, là. Ça dit tu nettoies partout dans ta maison, sauf la partie, là. Ou bien vous choisissez, ça dit qu'on rentre chez vous, là. On ne peut pas respirer dans vos maisons. Je suis venue pour parler aujourd'hui de la saleté des femmes africaines en Occident. Oui, on va parler, quand on parle d'une saleté dans la maison, là, c'est pas seulement la femme, l'homme est impliqué. Mais comme on dit, là, la femme, là, c'est la vitrine d'une maison. Quand on rentre dans ta maison, là, c'est pas l'homme, on voit tout de suite. On va chercher, la première, un étranger vient là. On cherche d'abord où est madame. Parce que c'est madame qui va installer l'étranger, c'est madame qui va faire tout. Je suis aujourd'hui là pour parler de ces femmes africaines. Vous vivez en Occident, vous croyez que la beauté, là, c'est seulement le physique. Vous pensez que la beauté là, c'est le fait que oh, tu as t'arrangé, tu as fait ça, tu as t'éclairci la peau. Et puis quand on s'en regarde où tu vis là, c'est un dépotoir. Elles sont nombreuses, ces femmes là. Vous vivez en Occident, mais arrangé où vous vivez là, c'est un problème. Et quand on vous parle, souvent l'argument que vous trouvez, oui, ces femmes très très sales là, elles ont des arguments. Non, ce sont les enfants. Non, c'est comme ça. Est-ce qu'on a dit que parce que tu es enfant là, où tu vis là, on ne peut pas regarder là. J'ai dit, j'ai eu beaucoup d'expérience de la saleté. La saleté des femmes africaines. Je parle de ça parce que votre saleté là, c'est pas que, ça dit que c'est pas qu'on a la saleté en nous. Non, c'est pas ça. Mais il y a la paresse, il y a la négligence, il y a tout ce que vous voulez là-bas. Il y a des femmes qui étaient des hauts cadres en Côte d'Ivoire. Quand elles sont arrivées au Canada ici là, tu t'en regardais leur maison là, tu peux pas rentrer dedans. Il y a des femmes qui ont dit que celle-là, elle travaillait à la banque en Côte d'Ivoire. Celle-là, elle était professeure et puis elle a immigré au Canada. J'ai dit que quand tu arrives dans des maisons, tu as la nausée. Il y a des maisons des femmes africaines. Quand tu rentres dedans là, tu peux pas. Il y a une femme au Canada ici. J'ai essayé de mitiger. Mais elle peut pas se reconnaître parce que je suis partie chercher une commission qu'on m'a donnée. Quelqu'un m'a fait mon colis d'Abidjan pour aller chercher le colis. J'ai dit quand je suis rentrée dans la maison de cette femme-là. Oh my God. Oh my God. J'ai dit, femme, quand on dit femme de quelqu'un, tu vois la cuisinière là, on dirait les WC publics d'Adjamé. La cuisinière où elle fait manger de sa famille. Tu vois la cuisinière, j'ai dit, tout était crasseux, tout était graisseux dans cette maison-là. Tout ce que j'ai fait, madame, asseyez-vous. J'ai dit, non, c'est bon. Je voulais que mon bagage pour sortir de cette maison. Elles sont nombreuses comme ça. Vous les voyez sur les réseaux sociaux. Elles brillent là-bas. Elles prennent les photos. Matin, midi, soir. Tu les vois ici, là. Tu te dis, voici la femme que je cherche. Voici la femme que je vais marier. Mais il faut rentrer dans sa cuisine interne. Rentrer dans la cuisine de ces femmes-là. Le four même, là. On ne peut pas regarder le four, là. Tous les poissons, les poulets, les viandes de bœuf. Tout est passé là-bas, tout est engraissé. Ça dit que la graisse là, tout ce qu'on fait seulement, on met dedans seulement. On met dedans seulement, on ne se dit pas que wobrou. Ça dit que si le, ça dit que la cuisinière là même là, pouvait parler pour dire au secours, viens à mon secours, nettoie-moi un jour. Hein? Même s'il y a autant de nettoyants là, ça dit à un moment donné, pour ne pas que la fumée prenne trop ta maison là. Quand tu as fini de faire là, tu prends au moins un petit chiffon froid où il y a du savon. Tu nettoies d'abord avant de mettre, ça dit que le four en marche. Non, ces femmes-là ne savent pas faire ça. Tout ce qu'elles savent là, c'est la partie extérieure. Oui, ma chérie, quand tu étais venu la vidéo sur ça dit que les réseaux sociaux, aujourd'hui on a vu des vidéos où des hommes sont sortis pour parler de la saleté des femmes en Occident. La saleté dont je parle là, c'est pas un seul côté. Hein? Quand elle parle, on dit elle aime indexer les uns de France. C'est pas les uns de France seulement. Je suis partie à Saint, comment on appelle cette ville-là? À Saint-Cyr. Oui, c'est là que j'ai profité pour visiter le château de Versailles. Je suis partie chez une tantie qui fait le service de garde. Ça dit qu'elle a une crèche à la maison. Tantie, quand je suis allée chez cette dame-là. Ça dit que tu rentres dans sa maison. J'ai dit que propre de propre. Pourtant, elle a une garderie à la maison. Elle a une crèche à la maison où elle reçoit des enfants. Mais quand tu rentres dans son environnement, tu dis voici la maison d'une femme. Voici la maison d'une maman. Mais vous êtes nombreuses ici. Toi, la femme ivoirienne, ici au Canada, pourquoi j'avais enlevé ma fille chez toi?
Dieu merci, je t'ai dit ça, hein? Le jour que j'enlève ma fille dans ta garderie, quand je suis arrivée au Canada, la première garderie que j'ai eue, c'était une fille ivoirienne. Mes amis, j'ai dit, quand tu viens d'arriver là, tes yeux sont bloubandés, oh. Je m'en vais dans la garderie de cette femme-là. J'ai dit que Pataï le direct, elle va recevoir forcée au Canada ici. Ces nombreuses femmes sales là, elles sont dans les maisons, elles vivent dans des dépotoirs. Les gens vous donnent vos maisons. Vous vivez dans des conditions là-bas où vous n'êtes pas capable d'arranger vos environnements. Et des hommes viennent faire des vidéos pour attaquer les femmes dans leur saleté. Dieu merci, ce ne sont pas toutes les femmes. Comme j'ai dit, la femme africaine à l'origine est une femme qui est très propre. La femme africaine à l'origine, c'est une femme qui sait prendre sa maison. Mais vous êtes arrivé en Occident. Vous n'arrivez pas à établir vos priorités dans vos maisons. Donc, ce qui fait que la saleté, là, ça vous envahit comme des champignons qui poussent de terre. J'envoyais ma fille à la garderie chez cette... Elle pensait que j'allais oublier la partie. Je n'ai pas oublié. Je partais le direct. J'envoie ma fille à la garderie. Quand tu arrives là, on te dit, ah, pour trouver les garderies, c'est difficile. Pourquoi j'ai vu le nom de cette dame-là sur Internet à l'époque. Je m'en vais dans la garderie. Mes amis, si vous rentrez dans cette garderie-là, j'ai dit que saleté de saleté. J'ai dit que cette femme-là est une Ivoirienne. J'étais mal prise, comme on dit au Québec, je suis mal prise. Je vais faire comment? J'ai envoyé ma fille là-bas. J'ai dit chaque fois que ma fille revenait, tu vois, ça dit que la saleté, même les vêtements de ma fille-là, tout sentait les adieux vendre dans sa maison là-bas. Ça dit que comme c'est ma soeur, je prenais du tac pour lui parler. J'ai dit, ah, quand la petite fille revient de la garderie, ses vêtements, ça sent trop fort, ça sent la nourriture, tout et tout, tout et tout. Mais j'ai dit, elle était tout le temps en train de se justifier. Jusqu'à un matin là, j'ai cherché un endroit et puis j'ai enlevé ma fille. Mais quand j'enlevais ma fille, je t'ai dit, j'ai dit, en tout cas, je préfère te dire, j'ai eu une autre garderie, mais j'enlève ma fille parce que ton environnement n'est pas propre. Elle m'a dit que tu me parles comme ça, pourquoi? J'ai dit oui, je préfère te dire, c'est pour ça que j'enlève ma fille ici. Désolée de te dire, je ne peux pas te dire de ma bouche que tu es sale. Cette femme était très sale, une Ivoirienne. J'ai dit, maison où elle était, si tu arrivais dans la maison, où elle avait les enfants, malheureusement, il n'y avait pas enfant de Whitey là-bas. C'est quel Whitey qui a envoyé enfant dans une garderie où vous êtes sale là-bas? C'est ça. Donc, c'était que les enfants des Ivoiriens, des quoi qui étaient dans sa garderie. J'ai pris ma fille. J'enlève ma fille dans cette garderie-là. Dieu merci, j'avais trouvé une... Cette fille ivoirienne-là, vous savez pourquoi sa garderie avait été fermée? Il y a une parente qui a porté plainte. On a fermé sa garderie pour la saluter. Peut-être le direct. On avait fermé sa garderie pour la saluter. Je l'ai recroisée des années plus tard. Elle m'a dit, elle est devenue préposée maintenant. J'ai dit, ah, tu as laissé la garderie. Elle a dit, ma soeur, à l'époque, quand tu m'avais parlé, j'avais mal pris ça. Mais le travail de service de garderie, garderie là, c'est la crèche là-bas en France. Le travail de la garderie, là, c'est trop difficile. Tu vas préparer, tu vas faire tant, tant, tant. Donc, ce qui a fait que quand je faisais même la formation pour faire ce travail-là, j'avais des doutes. J'ai dit, est-ce que je vais être capable? Mais oui, il y a des femmes qui sont capables de faire ce travail-là bien. Elles ont pris leur maison. Elles prennent pour faire la garderie. Tu arrives là-bas là. Ça dit que, on leur dit que non, c'est guide alimentaire canadien. Elles laissent guide alimentaire canadien. Hein? Vous êtes nombreuses, vous ces femmes-là, à Saint-Laurent ici, à Côte-des-Neiges, les Africaines là-bas, dans la saleté là-bas. Hein? Elles peuvent que prendre. Ça dit que c'est les Africaines seulement qui ont envoyé leurs enfants là-bas. C'est qu'elles qui va vous envoyer leurs enfants. Parce que vous êtes sales. Vous ne savez pas prendre soin de votre environnement. Pas parce que la femme africaine est sale à l'origine. Non, non, non. C'est vous, ces femmes-là. Dieu merci, il y a des dignes femmes. Il y a des femmes valables. Malgré que ça dit que le travail nous prend ici. La vie nous prend ici. Ça dit que de plein fouet ici. Mais quand même, on arrive à faire un effort. Il y a des jours, tu es fatigué. Tu traînes les pas dans la maison. Seigneur, je suis fatigué, mais tu vas le faire quand même. Parce que si tu ne fais pas, qui va faire pour toi? Vous comprenez? Donc, elles sont nombreuses comme ça, ces femmes-là. Je suis allée chez une femme une fois. J'ai dit que le petit temps qu'elle me tressait, elle fait la cuisine, elle ne veut pas mettre la hotte. Vous savez ce que c'est la hotte? Attendez, je vais vous montrer ça. Elles sont nombreuses. La maison qui n'est pas pour toi, même si c'est ta maison, quand tu fais la cuisine, il faut que tu mettes la hotte, ça dérange. Vous entendez? Il faut que tu mettes ça en marche. Oui, le bruit dérange, mais il y a la nourriture au feu. Donc, il faut mettre ça, parce que c'est ça qui aspire la nourriture. C'est ça qui aspire la vapeur dans la maison. Vous comprenez? C'est ça qui aspire la vapeur. Parce que nous sommes dans des grosses températures d'hiver. Donc,
si on te dit de mettre la hotte pour aspirer la nourriture, non, elle a fait la cuisine, si on te dit, mais il faut mettre la hotte, non, quand on met là, on n'entend pas bien. Mais j'ai dit que pourquoi tout ce qu'on fait pour notre développement, tout ce qu'on fait pour notre épanouissement, on a problème avec ça. Je suis rentrée dans cette maison, ouais, maîtresse là, quand je suis sortie de sa maison, toutes mes cheveux étaient l'odeur de la bouffe. Je lui ai dit que mais il faut mettre la hotte. Si tu ne mets pas la hotte là, tu vas finir par gâter la maison des gens. Ben là, les buées là vont créer des moisissures. Hein? Souvent, je vois dans les vidéos, vous faites là-bas, je vous vois, ça dit, vos cuisines là sont remplies de ça dit, on voit les moisissures dans vos cuisines. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas de hotte. Oui, il y a d'autres qui font des vidéos, elles font la cuisine. On vous voit, vous faites les cuisines dans les directs là-bas. Jamais la hotte est en marche. Donc, si la hotte n'est pas en marche là, ça dit, tu es dans une maison où tu es en train de détruire la maison à petit feu. Hein? Tout ça, c'est des comportements. On est là pour vous éduquer. Hein? Vous, c'est comme nous sommes là pour vous éduquer. La hotte là, il n'y a pas ça au village là-bas, c'est correct. Il n'y a pas ça là-bas, mais partout, il y en a. On vous voit, vous transpirez dans les cuisines, en train de faire les cuisines, les hottes ne sont pas en marche, vous empestez les maisons des gens, et puis demain, quand on parle, c'est pour dire qu'elle dénigre sa propre soeur. Je ne vous dénigre pas. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. C'est la plus vérité que je vous dis. Essayez de faire, ça dit, arrangez vos comportements. La salle de bain doit être nettoyée quotidiennement si vous êtes au moins 3 personnes dans la maison. Quand on dit quotidiennement, là, on peut nettoyer déjà, on passe le balai, on passe une lingette, tout et tout. Et puis bon, quand on voit que c'est sale, on prend un jour et puis on nettoie. Mais c'est pas ça. Tu arrives dans des salles de bain, le pipi même veut te remonter à la vessie. Tellement c'est sale et sale là-bas. Je vous dis ça. J'ai fait une vidéo un jour là. Vous allez dire, oh, elle se la pète. Tant, tant, tant. On les voit là-bas. On voit où elle vit. C'est la plus vérité. Je vous dis, j'ai dit, partagez le direct. Partagez. Partagez. Hein? C'est exagéré. Oui, un homme peut te laisser, mais on vient mettre sur les réseaux sociaux que les femmes sont sales. Dieu merci, ce ne sont pas toutes les femmes africaines. Il y a des dignes femmes, des femmes respectables, des femmes africaines. Quand on les voit, on dit voici la femme, la vraie femme africaine, celle à laquelle ses parents ont appris de belles valeurs, celle à laquelle la maman a appris comment tenir une maison. Donc, parce que vous êtes arrivé en Occident, et quand on arrive chez elle, ah, mon chéri, ici, là, il n'y a pas de servante. Ah, donc, c'est les servantes qui tenaient vos foyers là-bas. C'est les servantes qui tiennent vos foyers. Ce qui fait que quand vous arrivez en Occident, là, vous relâchez tout. Vous arrivez en Occident, vous n'êtes pas capable de vous prendre en main. On arrive chez vous, là, tout est dégueulasse dans vos maisons. Vous passez, et on voit, Seigneur, tu n'as pas de vie. Vous, quand, ça dit que moi, quand vous me voyez sur les réseaux sociaux, là, ça dit que tout arrange mon environnement. J'arrange ce qu'il me faut. Mais vous laissez vos maisons. Vous êtes là. Ça dit que tout est, ça dit tout est, je sais pas comment dire, tout est dégueulasse dans votre environnement. Salle de bain, on peut pas rentrer. On allait regarder chambre à coucher. On allait regarder la chambre des enfants. Je dis que la seule chambre qui peut être une problématique dans une maison, c'est la chambre des adolescents. Je dis bien adolescents. Je n'ai pas dit les enfants. La chambre de tes enfants là, ça doit être une chambre qui est très propre. Parce que c'est à toi l'adulte d'aller prendre soin. Les ados, on les connaît. Mais même à ça, il faut être sur leur dos. Les adolescents là, eux, ils mangent tout dans leur chambre. Les croustilles, tout ce que vous voulez, ils mangent tout. Mais c'est à toi. Le cas tu fais un jour, deux jours, tu jettes un coup d'œil là-bas. Si c'est sale là, tu te mets sur l'adolescent. L'adolescent va rien. Mais non, c'est pas ça. Vous les mêmes, vous êtes sales déjà. Vos environnements sont puants. Vos environnements sont dégueulasses. Donc, comment vous voulez, comment vous pouvez parler à vos enfants? Vous n'êtes pas capable de parler à vos enfants. Donc, on arrive dans vos maisons. Les maisons que le gouvernement vous donne, vous ne prenez pas soin. Vous avez de nombreux enfants dans vos maisons. Plein d'enfants. Les enfants sont super pour être dans la maison. Et puis maintenant, c'est vous qui vous plaignez. Oh, on ne nous a pas logés. Est-ce qu'ils sont obligés de te loger? Donc, tu as pondu tous ces enfants-là. Tu n'as rien structuré pour les enfants. Même quand on vous loge là, les maisons qu'on vous donne, vous n'êtes pas capable d'en prendre soin. C'est valable pour tout le monde. Je suis partie à Brooklyn. Quand je suis allée aux États une fois, je suis partie avec mon ami. On devait aller voir une fille. Quand on est parti la voir, elle n'était pas là. Bon, celle qui nous accompagne là-bas voulait absolument qu'on la voie. On arrive là-bas, elle n'était pas là, Dieu merci. J'ai dit, si vous voyez l'environnement de cette fille-là, je suis à New York, le nom de New York, si elle, j'ai dit, partagez le direct. Je suis à New York, tu vois la fille, je ne l'ai pas vue, hein, mais la photo qui était derrière au mur là, une belle femme, tout et tout, mais fallait voir son environnement. J'ai dit que la propriété n'a rien à voir avec grande maison. La propriété n'a rien à voir avec château. On peut te donner un château.
tu vis dedans. Mais si tu as la saleté en toi, si la saleté là te colle à la peau, tu ne peux pas aller nulle part. Tu as toujours trouvé des arguments. Hein? Ceux qui ont petite maison vont dire que c'est pareil, la maison est petite, il n'y a pas place. Ceux qui ont grande maison, la maison est trop grande. Tu nettoies quand tu es fatigué. C'est comme ça. Donc, il y a toujours des arguments. Dieu merci, cette fille-là était tombée dans un embouteillage. Donc, nous, on l'a quitté plus tôt. Il y a de ma copine, moi, elle ne retourne plus demain là-bas. Elle dit non, mais elle veut nous inviter. Nada. Moi, je ne mange pas chez les gens qui sont sales. Et là, comment elle était? Après ça, elle a dit, ah, ma copine aussi ne pouvait plus lui parler. Elle était là, elle tournait, tournait. Bref, on ne l'a pas vu. Mais après, elle lui a dit, vraiment, quand on est passé chez toi, ta maison n'était pas agréable. Ta maison ne donne pas envie de rester. Vous qui me regardez, il y a des amis chez lesquels vous êtes partis et puis vous étiez découragés. Vous n'avez pas été capable de leur dire que la maison là, vraiment, où tu vis là, vraiment, ça dit, il faut arranger où tu vis là. Parce que c'est une amie qui se la pète. Quand elle sort là, elle se donne un genre. Quand elle sort là, elle se donne de la contenance dans les milieux. Mais quand tu regardes où elle vit là, c'est la nausée. Elles ne sont pas capables de prendre soin de leur environnement. Elles ne sont pas capables de se dire que là où je vis là, c'est là qui est pour moi. Parce que quelqu'un qui vient là, tu ne sais pas quand quelqu'un peut te surprendre. Surtout nous les Africains, on appelle à, ben je suis à côté ici, la personne rentre chez toi, on veut aller faire pipi là. Pipi va remonter à la vessie. Tout simplement parce qu'on est dans la saleté. Et quand on parle, c'est pour dire que non, on dénigre la race. On n'a jamais dénigré la race. Ben, la saleté là, c'est pas quelque chose qu'on est né avec ça. C'est chacun avec son éducation. Mais quand vous voulez qu'on refasse vos éducations sur les réseaux sociaux, on va le refaire. Une femme, tu vois, un homme va te quitter. Et puis, ça dit que tout ce que le monsieur a pris, ça dit que le frigo ou ce frigo là était là. Ça dit si vous étiez dans cette maison depuis 10 ans, là, depuis 10 ans, il n'y a pas quelqu'un qui a eu la présence d'esprit pour dire hein, déplacer le frigo là un jour. Pour nettoyer, comme si tu en parlais avec la partie où le frigo était. Comme si tu en parlais avec la partie où la cuisinière est. Comme si on en parlait avec où les fauteuils là sont. Il y a des maisons où vous êtes là-bas là. On n'a jamais déplacé le fauteuil. On n'a jamais déplacé tel meuble là. Pour dire on va nettoyer derrière. On vient seulement, on fait fa fa fa, on passe. Je dis, revoyez-vous, hein, revoyez-vous. Parce que la saleté là, ça fait que notre nom est gâté. Vous vivez quelque part, vous faites la cuisine, aérez vos maisons, il fait froid. Hein? On n'a pas forcé quelqu'un de venir dans le pays des Blancs. Les seuls qui ont été obligés, c'est les réfugiés. Peut-être où il y a eu la guerre, où il y a les problèmes. Sinon, à part ça là, c'est de nous-mêmes qu'on vient. Donc quand on vient là, essayons de redorer notre blason. Essayons de faire que, pour que les gens qui sont en face là, ils nous regardent bien. Qu'ils ne se disent pas que les Africains sont sales. Parce que ce n'est pas tous les Africains qui sont sales. Ce n'est pas toutes les Africaines qui sont sales. Mais il y a beaucoup d'Africaines, elles arrangent leur corps. Où on a dit qu'on va mettre human hair là, qui fait 22% sur mes fesses ici. Les ongles là, qui sont longs comme ça, comme pour la tigresse Sidonie là. Là, on s'est dit non, on est belle. Si tu n'as pas mis faux ongles, tu n'es pas belle. Ou bien le rouge à lèvres fin qui arrive à des kilomètres là. Là, on est belle. Mais il faut aller voir où elle vit. Il faut aller voir comment elle vit. La saleté. J'ai dit que revoyez-vous. Revoyez-vous. Attendez le direct, s'il vous plaît. Mais cette saleté là, cette saleté qui colle aujourd'hui aux femmes en Occident, oui, vous riez, cette saleté qui colle à ces femmes aujourd'hui en Occident là, mais c'est dû au fait que on a toujours dit que bon, l'homme, c'est ça dit qu'on a donné une place, on a mis nos maris là sur un certain fille maman. Ce qui fait que la vie ici est dure. On est arrivé dans un pays où on a dit que l'homme et puis la femme là, rejoignez-vous, c'est deux mains qui se lavent. Mais vous vous dites souvent, vous les femmes comme ça, vous dites non, moi je ne veux pas accepter qu'un homme fasse ça, c'est moi qui suis la femme. On a dit que tu viens d'un pays où on veut te décharger un bagage sur la tête. Mais il y a des femmes africaines qui sont opposées à ça. Ça dit que leur mari là, c'est le prince dans la maison. Il n'est pas capable de t'aider à faire quelque chose partout dans la maison. Ça dit que tu es aux prises avec tout. Mais qu'est-ce que tu crois? Ici, comme j'ai dit à Mangrogri, ici, ce n'est pas au village. Donc, à un moment donné, là, il y a ce qu'on appelle le burn-out. Ça te prend. Oui, c'est ça. Elles prennent leur mari comme des super-héros. Donc, l'homme ne peut rien faire dans la maison. Je connaissais une amie, là, son mari est informaticien, toute la journée sur l'ordinateur. Toute la journée, tu t'en vas, elle est épuisée. Jusqu'à un jour, j'ai dit, mais demande à ton mari pour qu'il te donne un coup de main. Ah, Momo, est-ce que les hommes, là, il y a des
peut-être c'est toi, c'est ton mari. Moi, je connais mes amis là, leur mari met la main à la pâte. Donc, c'est ça. Mais le problème, c'est que quand tu ne veux pas que l'homme mette la main à la pâte, ou bien quand tu ne permets pas, ou bien quand tu ne demandes pas à ton mari de mettre la main à la pâte, mais à un moment donné, toi aussi, tu es épuisé parce que tu travailles au même titre que cet homme-là. Donc, vous devez essayer de vous arranger. Comment on peut essayer de faire de telle sorte que la maison ne soit pas dans un état délabré? Oh que oui! Très souvent, quand les Africains sont en appartement, quand tu arrives là-bas, je dis que c'est oulala. C'est exagéré. Ça dit que cette saleté-là, c'est exagéré. Et l'argument qu'on trouve, quand j'avais fait une vidéo, si les gens sont sales en Occident, il y a une qui me pose un commentaire. Nous, on travaille. C'est madame, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Mais on travaille, mais il y a la vie de famille. Il y a une façon où on peut organiser pour que tout soit clean dans la maison. Non, on laisse ça, mais c'est la paresse. Je reviens là-dessus. C'est la paresse, ces femmes-là. Je suis allée en France, quelque part dans une province. Ça, c'était en province. On est parti rendre une visite. Mais j'ai dit que la fille me... Ça dit qu'on est rentré dans sa maison, dans un pavillon où elle vit, sa propre maison. Quand on est rentré dans ce pavillon-là, j'ai demandé à la personne à laquelle on est parti, c'est sa propre maison? On dit oui, c'est sa maison. Mon Dieu, cette maison-là était délabrée. Et elle me critiquait les gens qui sont sales. Ça dit que les gens qui sont dans cette saleté-là, ils se rendent même pas compte qu'ils sont dans une... Ça dit qu'ils sont dans cette saleté-là. C'est comme la saleté-là, leur colle à la peau. Ils, eux et puis la saleté, ils sont mélangés là-bas. Ils n'arrivent même pas à se dissocier de la saleté. Et celle qui critiquait ses amis, tout et tout. Mais ça dit, c'est parce que je la connaissais même que je la connaissais pas que je me suis retenue. J'ai failli lui dire, mais toi-même, regarde comment tu vis. Oui, c'est vrai, tu habites une grande maison, mais ta maison n'est pas propre à toutes. Elle ne se rendait pas compte que elle vivait dans la saleté. Elle me dit, mais c'est pas, vous n'avez pas duré. J'allais t'envoyer chez une amie là. Quand tu arrives chez elle, je dis, oh my God. Oh my God. Ça dit, elle se rend même pas compte que elle-même, sa maison était sale. Elle avait de beaux meubles. Les beaux, ça dit que sa cuisine était bien. Des trucs, mais tout était, ça dit, tu regardais, tu dis, mais tiens. Dans la vie là, on peut te donner, ça dit, de la qualité. Tu peux posséder quelque chose de qualité. Mais si tu n'entretiens pas, pourquoi vous n'entretenez pas vos environnements? Et puis c'est collé sur les Africains. Hein? À cause de vous comme ça, à cause de vous, ces femmes sales là, on dit que les Africaines sont sales. Hein? C'est pas toutes les Africaines qui sont sales. Les Africaines qui sont sales en Occident, ce sont des Africaines paresseuses. Ce sont des Africaines paresseuses. Donc ça, c'est des stéréotypes. C'est une stigmatisation qu'on fait pour dire les Africaines sont sales. Hein? On a déjà des épices qui sont, je peux dire des épices qui sont très exigeants. On fait déjà des sauces très agressives dans nos maisons. Donc ça dit que ça prend une autre façon. Tu as fini de faire la cuisine. Ouais, ok, oui, nos sauces sont agressives parfois. Donc ça dit que tu as fini de faire la cuisine là. Ta maison, tu dois aérer ta maison. Hein? Tu dois aérer ta maison, tout et tout. Tu dois chercher à savoir, mais comment je fais pour que ma maison soit bien? Non, c'est pas ça. Les Africains achètent les maisons ici. Quand vous partez la première année, on applaudit, on applaudit. Retourne là-bas un an, deux ans plus tard. Tu vas voir qu'il y a du laisser aller. On va commencer à trouver les arguments. Non, c'est les enfants. J'ai une amie camerounaise qui était venue me rendre visite quand ma mère était de passage ici. Laure Epiphanie, j'ai dit ton nom ici. Elle était venue voir maman. Elle est venue et elle est revenue trois ans plus tard dans cette maison. La question qu'elle m'a posée, Monique, ça c'est une maison où tu travailles des enfants? J'ai dit, oh que oui. À l'époque, à un moment même, j'avais neuf enfants ici. Après, la Québécoise a voulu me prendre la tête. Elle a dit, ma chère, elle te laisse comme ça. Puis j'ai repris mes six enfants. Le ménage que j'ai fait dans cette maison, quand les enfants finissent de manger là, eux ils ne calculent pas, d'autres les tomates sur les mains, mais mamie, on vient, on trace ici, on vient, on te touche ici, mais je me mets à terre, je rampe ici pour arranger ma maison. Ben, je ne veux pas. Demain, quand je vais vouloir, ça dit que me débarrasser de cette maison. C'est ce que vous ne savez pas. Vous avez des maisons, vous ne les entretenez pas. Ben, vous dites que c'est vos maisons. Mais demain, quand tu vas vouloir t'en débarrasser là, tu sais bien mettre beaucoup d'argent dedans pour essayer de rénover la maison parce que tu as besoin de la mettre au point pour la vendre. Elle dit, Monique, vraiment, pour quelqu'un qui travaille les enfants, j'avoue que ta maison est clean. J'ai dit, ma chère, le ménage nous tue dans cette maison-là. Mais pourquoi vous êtes là-bas? Vous n'arrangez pas vos maisons?
Vous n'arrangez pas où vous vivez et puis c'est collé sur nous que les Africaines sont sales. Les Africaines sont sales. Il y a des jeunes célibataires là qui t'en vas chez eux, bien propre, clean, clean. Les célibataires même de nos jours entretiennent leur maison que des femmes dans le foyer. Je vous dis ça, oh, hein. Les jeunes garçons là, tu arrives, des jeunes messieurs, tu arrives chez eux là, c'est bien chez eux. Mais nous les femmes, on arrive chez nous avec femme et enfant. Ça dit que mari et enfant, tout est pêle, mais la maison est sale, la maison pue la merde dans certaines maisons. Tu arrives dans une maison, tu ne veux pas t'asseoir. Hein? À Saint-Laurent là-bas, là, ils sont entassés là-bas, les Africains. Tu arrives là-bas, là, tu arrives dans leur maison là. C'est à Dieu avant qui te dit bonjour à la porte, tu n'es pas encore rentré. Il y a des couloirs, même dès que tu es venu rendre visite à lui qui est à côté, tu sais bien qu'elle est là. C'est un Africain qui habite là. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Hein? Il y a dit partager. Partager, ils vont recevoir. Partager, ils vont recevoir. C'est exagéré, c'est abusif maintenant. C'est pas possible. À cause de vous, on stigmatise les Africains. Alors que les Africaines qui sont au pays là-bas, elles sont propres, oui. Elles sont propres aussi, parce qu'elles ont des servantes là-bas. Mais quand même, là, à l'origine, la femme africaine est une femme qui est très propre. Est une femme qui prend soin d'elle, qui prend soin de son environnement. Et on vous voit, vous faites les vidéos, ça transpire dans les vidéos en désordre. Ça fait la cuisine, on est sur le nez ici, on fait comme ça. J'ai regardé ça, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça là? C'est tout le monde qui a devenu chef. Hein, des chefs passifs de circonstances sur les réseaux sociaux. Arrêtez de ridiculiser les Africaines sur les réseaux sociaux. M'arrêtez. C'est pas possible. Putain, quand est-ce que ça va changer? Ça a changé quand? On passe ici, ça fait des saletés, on passe ici, ça fait... J'ai une amie qui a quitté la Abidjan, qui est venue en vacances, je n'ai même pas dit où, qui est venue en vacances en Occident. Elle dit, aïe, mais pourquoi les femmes là sont sales comme ça? C'est quoi, vous êtes sales ici? J'ai dit, ma chère, c'est pas tout le monde, c'est qu'elles sont nombreuses, celles qui sont sales. Ça, c'est la vérité. Hmm? Vous les voyez, ça brille sur les réseaux sociaux, là, elles sont sales. Tu arrives chez elles, mais tu ne peux pas respirer. On ne peut pas manger dans leur maison, elles sont sales. Vous croyez que la beauté, c'est quoi? La beauté d'une femme, c'est quoi? C'est venir à rien, mettre les peintures sur ton visage, aller aussi jolie, c'est ça? On ne peut pas éduquer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Hein? Par où on est là? Nous tous, nous sommes des adultes. On ne peut pas refaire les éducations de quelqu'un. Mais il est temps qu'on se revoie. Hein? Il est temps qu'on se revoie. Par où on nous met nous tous dans le même panier. Il y a une vidéo qu'on m'a envoyée, il y a comme, je peux dire, 3 mois de cela. J'ai dit que tu voyais, ça dit que la dame cherchait à avoir une maison. Je pense que cette vidéo, je ne sais pas si c'était en Europe ou bien, elle voulait avoir une maison. Mon Dieu, elle avait 7 enfants. Dans une maison, quand tu regardes, tu dis, oh, oui, c'est vrai, l'environnement est petit, mais il faut voir où, ça dit qu'il faut voir la cuisine. Quand la caméra est partie dans la salle, j'ai dit, j'ai eu le haut, le cœur. Mon cœur, ça dit que le cœur m'est monté dans la poitrine. À cause de la saleté. Tout ça aussi, on a dit que je suis en Occident. Nous, on fait la flamme, on dit que je suis en Occident. Pourtant, où tu vis, là, on ne peut pas regarder. Il y a des maisons mais qui sont tellement sales que tu arrives même pour boire un verre d'eau, c'est un problème. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Tu as tes 10 doigts. Tu as tes 10 doigts comme ça, tes doigts fonctionnent. Tu as toute ta tête. Et puis, tu vis dans un environnement délabré. Hein? Et puis, hein, ça dit que la sœur qui a mis la vidéo, comme on appelle ça, sur les réseaux sociaux, la partie du film où c'était ça, là, elle s'est pas rappelée de là. Ça dit, si elle avait su que en mettant cette vidéo-là sur les réseaux sociaux, on allait soulever le problème de la saleté, là, je crois qu'elle allait se retenir. Revoyez-vous. Pourquoi c'est comme ça? Hein? Mais les hommes doivent aider. Si les hommes n'aident pas, c'est le foyer où les hommes n'aident pas, là. La femme, c'est le foyer. Quand tu es dans un foyer, là, oui, un homme ne peut pas divorcer une femme par elle est sale. Ça, c'est clair. Parce que souvent, même là, la saleté, là, souvent, elle a contaminé l'homme avec ça. Et puis, les deux vivent dans leur saleté, là-bas. Hein? Si l'homme divorçait femme à cause de saleté, là, il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur foyer. C'est ce qu'elle dit. Un homme ne divorce pas. Mais si tu sais que tu as un homme qui croise que les bras, mais il faut lui demander l'aide, mais dis-lui, j'ai besoin d'aide. Par exemple, vous plaignez que la vie est dure ici, ici on fait tout, c'est nous seuls qui faisons tout. J'ai dit qu'un garçon ne divorce pas femme qui est sale.
Sinon, il y a beaucoup qu'on a laissé en Occident. Dans le discours qu'elle a passé les réseaux sociaux, non, elle était sale, tout et tout, elle était sale. Là. Il avait 11 ans avec elle. De quoi est-ce qu'on vient me parler? Hein? De quoi est-ce qu'on vient me parler? Laissez ça. La femme a donné sa version, l'homme a donné sa version, laissez ça. Nous, on a reproché que ce Mboué là, c'est un goujat. Dès lors que tu es venu déterrer le frigo où il y a mangé de tes enfants, tu as jeté ça. Nous, on va te considérer. Tu es un homme en bas des bananiers, hein? Tu es un Yamselé. Moi, tu as quelle valeur à mes yeux? Il n'y a pas de valeur partout. Donc, de quoi est-ce qu'on va parler? Hein? Revoyez-vous. Hein? Revoyez-vous, bah, on dit que toutes les. Ça dit que ce qui me fait mal, c'est qu'on nous met toutes dans le même panier. Alors que ce n'est pas toutes les femmes africaines qui sont sales. J'ai dit que la femme africaine n'est pas sale de nature, c'est ce qu'elle dit. Parce que nos mamans, on le peut là-bas, là. C'est dans la propriété que nos mamans, dans la propriété que nos mamans nous ont éduquées. Donc pourquoi on est venu en Occident, on prend l'argument de non, j'ai beaucoup d'enfants, ce sont les enfants. Je suis allée à Londres, j'ai vu une dame, Alain Micham. Elle a 7 enfants. Si on te dit que cette femme-là, c'est 7 enfants qui sont dans cette maison, tu as dit c'est faux. Sa maison propre, il a dit, jusqu'à ce que je dis vraiment, madame, j'avoue que vous m'avez épaté, une femme africaine, une femme Annie. Tu as dit chez elle propre, la maison que le gouvernement lui a donnée là. Elle prend soin de la maison. On vous a donné une maison, le gouvernement vous a donné une maison. Ou bien vous vivez dans des maisons depuis 5 ans, depuis 6 ans, voire depuis 10 ans. Tu n'as jamais mis une couche de peinture dans la maison. Parce que la maison ne t'appartient pas. Et quand on arrive, vous, c'est les arguments. Ça dit, on est là, on se justifie. J'ai dit, où ta maison, où tu habites, ta maison est propre. Tu as bien de donner l'explication. Tu n'as pas besoin. Quand l'étranger rentre chez toi et puis tu as donné l'explication, ça veut dire que c'est ton comme ça. C'est ton comme ça, c'est ça que tu donnes l'explication. Tu comprends? Pour vivre dans des maisons, ça dit, on arrive là, j'ai dit que c'est... Ouh là là, les mots me manquent, parce que j'ai trop vu. On passe aux États, Canada, Europe, on n'en parle pas. Partout où les Africains sont, ça dit que leur environnement, ils s'en foutent. Avec des femmes et enfants dans les maisons. Hein? Il y avait une infirmière de liaison, à laquelle je parlais, elle a dit, mon Dieu, je suis allée rendre visite à une dame africaine, parce que ici, quand tu accouches, les infirmières passent à la maison. Elle dit, oh my God, Monique, ça n'a pas d'allure, c'est pas possible. Mais comme ça, là, j'ai dû lui dire, ben, il faut que ton mari mette la main à la pâte, sinon je serai obligée de vous rédiger un rapport. Mais si on te rédige le rapport, là, c'est pas tes enfants qu'on vient menacer comme ça. Après, vous allez dire, oh, les gens d'ici, ils sont comme ça, ils sont comme nous, les Africains. Non, 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 non. Oui, hein, le système abuse par moment, c'est vrai, j'avoue. Mais des gens aussi, l'on peut même vous prendre l'enfant quand les enfants sont dans la saleté et qu'à un certain dernier degré. C'est pas possible. Pourquoi on venir dans un problème de couple? Ça dit, tu as venu mettre la honte sur nous, sur les réseaux sociaux, et puis on a insulté les femmes. Les femmes sont sales en Europe. C'est pas toutes les femmes qui sont sales, mais oui, c'est vrai. Beaucoup de femmes sont très sales en Europe. J'ai dit, partagez mon direct. Elles sont nombreuses. Je ne dénigre personne. De quoi vous me parlez là? Quand tu dénigres, c'est moi qui dénigre. C'est moi qui dénigre la saleté dans laquelle vous êtes là-bas. C'est moi qui vous dénigre. Hein? Quand on a dit que les Africains sont sales là, c'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai dit ça? Hein? C'est vous qui on est venu déterrer le frigo et puis la place où le frigo est quitté, on a vu que le balai, la place a été en palabre, le balai depuis Matouzalem là, c'est moi qui ai dénigré. Hein? C'est moi qui ai dénigré? N'importe quoi. Vous pensez que j'allais venir vous caresser dans le sens du poil ici? Hein? Il y a des côtés de la maison où vous ne pouvez jamais vous abaisser pour nettoyer les coins et les coins de vos maisons. On parle de ça qu'on dénigre. C'est dénigrer qui est problème sur les réseaux sociaux ici. Dénigrer n'est pas problème ici. Maintenant, ceux qui ont dit là-bas, ceux qui ont fait une vidéo spéciale sur la femme pour dire qu'elle est sale, là, tu es allé là pour parler. Tu es allé là pour parler. Arrêtez ça. Il faut quand même, dites-moi le temps que j'ai fait. Dites-moi le temps. S'il vous plaît. Tara, ça va? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Bonne arrivée. Merci. Mm-hmm. Je travaille, donc je ne peux pas... Nous, on travaille ici. Tu travailles et puis après?
Quand tu travailles, c'est au travail, tu dors. Tu ne dors pas au travail. Je dis que la seule chambre qu'elle peut tolérer, c'est la chambre des adolescents. Même à ça, chaque au moins là, dans la semaine, je jette un coup d'œil. Si là-bas, elle gâtée quand elle est dégré, je dis, va arranger ta chambre. Va arranger ta chambre. Mais la chambre des enfants ne doit pas être sale. On doit arranger la chambre des enfants. Hein? On doit arranger la chambre des enfants. Hey! Donnez-moi le temps, s'il vous plaît. Allez nettoyer vos maisons. Allez nettoyer vos maisons. On dit que vos maisons sentent en Occident. C'est ce qu'on a dit. Allez nettoyer. Hein? Il y a des jours là, je me réveille ici à 6h, 5h30. Je dois à 23h. Bah, je fais le ménage. J'arrive ma maison. Hein? Vous n'arrangez pas vos maisons. On parle. Vous venez vous constipez ici. Allez arranger vos maisons. Dieu merci, il y a des dignes femmes. Des femmes respectables. Et même si elles ont des maris qui sont un peu paresseux, qui traînent les pas, mais elles-mêmes prennent leur maison. Elles disent parce que quand l'étranger vient dans la maison, là, on va dire que sa femme là, est sale. Hein. On va pas dire son mari est sale. Elles disent quand on vient et puis la maison est sale, là, on s'en prend à l'homme. C'est à la femme qu'on s'en prend. C'est à la femme qu'on s'en prend toujours. Alors, des rouges à lèvres par-ci, par-là, des perruques, des hommes de 10 km. On dit non, moi je suis propre, moi je suis tant. Ma chérie, la propriété là, c'est pas 11 de 10 km. Les hommes qui ont fait 10 km, c'est pas ça. La propriété là, ça commence, oui, de l'extérieur, on te voit, tu fais bonne impression, mais où tu vis? Et où tu vis? De quoi est-ce qu'on vient me parler? Dites-moi le temps, et puis bon, moi je vais boucler, parce que ma fille est venue, nous on va aller souper. En tout cas, pouvez-vous me donner le temps, s'il vous plaît, et puis bon. C'est ça qui est la vérité. Aïe. Les hommes vous laissent tout. Hein? Il y a des hommes même qui vivent avec des femmes, ils n'ont jamais nettoyé la salle de bain. 41 minutes, ça de cesse. Ils n'ont jamais nettoyé une salle de bain. Il y a des hommes qui n'ont jamais pris même le balai pour dire qu'ils vont arranger. Bon, tout c'est la femme. Mais si elle aussi là, elle n'est pas une femme qui a dit bon, parce que si quelqu'un vient là, c'est moi. Ils vont dire que c'est moi qui suis sale. Donc elle laisse. Et puis maintenant, on vient, on voit l'environnement. J'ai dit que ma soeur est partie en France avec ses enfants. Ils sont allés faire tresser les enfants dans une maison. Les enfants, ça dit les enfants n'en revenaient pas. Juste quand les enfants ne voulaient pas aller faire pipi. Tellement la maison était sale, elle est partie faire tresser les filles. Sa soeur qui l'a reçue a dit, bon, il y a une dame ici, elle coiffe très bien. Donc les vacances étaient terminées, les enfants rentrent au Canada. J'ai dit que les filles ont refusé de faire pipi à Paris. Elles ont refusé de faire pipi tellement la maison était sale. De quoi est-ce qu'on vient de parler? Hein? J'ai dit que partout là, les femmes africaines, beaucoup parmi vous sont sales, c'est ce qu'elle a dit. Et puis quoi? J'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Pas toutes, Dieu merci. Il y a des dignes femmes. Des dignes femmes. Voilà. Il y a des dignes femmes qui disent oui. Même si lui, il ne fait pas, je vais faire. Parce qu'on va venir là, on ne va pas dire l'homme, on dit moi. Il y a des femmes, et puis c'est vrai. Il y a des hommes qui s'en foutent. Il y a des hommes qui s'en foutent. Est-ce que quand on va rentrer dans la main, on dit quelque chose? On ne va pas dire ça. On ne va pas dire ça partout. On dit que c'est la femme qui est sale. Donc si la maison est sale, là, c'est de la responsabilité de la femme. Si tu as une femme qui parle comme moi, comme ça, là, il n'a pas fait là. Il est assis là. Tu as dit, ah, ouais, faut te lever, tu vas m'aider. Tu lui dis ça doucement, comme il est tout. Il dit, c'est le ton qui fait la chanson. Mais vous êtes les hommes. Vous êtes venus en Occident. Vous êtes rentrés dans la vie de lui, c'est l'homme. Moi, lui, après tout, c'est un homme. C'est d'après tout, c'est un homme là. C'est resté sur vous là-bas. Hein? Parce que vous avez dit qu'après tout, c'est lui qui est l'homme, non? Donc c'est resté sur vous. Maintenant, ça vous a pris jusqu'à la tête. Ça vous est monté de. Vous n'êtes pas capable de gérer maintenant. On rentre chez vous. Tout est dégueulasse. Tout est pêle-mêle là-bas. De quoi est-ce qu'on veut me parler? Il y a des partagés. Partagés. C'est que vous ne voulez pas entendre, je vous dis. Vous ne voulez pas entendre, je vous dis. Hey! En 2021 encore là, le monsieur a parti et puis toi, on vient sur les réseaux sociaux pour t'insulter sur la saleté. Hein? Pour dire aux femmes que les femmes sont sales.
Merci beaucoup. Bon, nous, c'est l'heure du souper. On dîne à, on soupe à 18h, il est 17h43. Aïe! Quand l'impacteur est rentré dans... Je connais là-bas, il a donné les exemples des États-Unis, il a donné les exemples du Canada, j'ai donné aussi les exemples de l'Europe. Que quoi? Hein? Quand il a parlé là, on a dit au Canada, là, il n'y a pas les gens qui sont sales, il y a fait une vidéo. Les tu as dit quoi? C'est en France, moi je n'ai pas dit c'est en France, moi j'ai dit que les Africains partout là, il y a la saleté dans notre environnement. C'est ce qu'il a dit. Ça c'est un secret. C'est un secret. Hein? Que les Africains sont sales là. Hein, les femmes africaines, ça dit qu'elles paraissent seulement. Mais pour dire qu'elles vont arranger où elles vivent là, c'est un problème. Qu'est-ce qu'on donne comme argument? Non, c'est les enfants et le travail. Hey, ce sont tes enfants à toi là. Tu as décidé de faire les enfants, donc il faut en prendre soin. Tu comprends? On va rester dans le fait de c'est les enfants. Partagez-le direct. Partagez-le. Partagez-le. Et puis ceux qui sont fâchés vont venir répondre. Je m'en fous. Je dis que partout les Africains sont là. Parmi les femmes africaines, il y a beaucoup qui sont sales, je le répète ici. C'est ce qu'elle dit. Et puis ça fait quoi? Il y a beaucoup qui sont sales. On voit ça souvent dans les vidéos. On voit ça. Hein? Ça dit tout ici, ça dit que toute la cuisinière, tout est crasseux. Ça dit que tout est engraissé dans la cuisine. Hein? De quoi est-ce qu'on me parle? Que quoi? Que quoi? Arrêtez. Arrêtez. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux. On est à l'ère des réseaux sociaux. Donc, c'est ça. Donc, toi, la femme qui a gardé ma fille il y a des années là, comme je t'avais dit, c'est enlève ma fille là pour la saleté, mais on avait fermé ta garderie pour la saleté. Il y a des femmes qui tiennent des séries de garde au Canada ici là. Les Whitey ne peuvent pas envoyer leur enfant chez elles. Ben, elles sont sales. Tu arrives chez elles là. C'est n'importe quoi. Elles éduquent les enfants dans des milieux de garde comme on garde les enfants au village. Il y a des femmes qui ont les business, genre ce que j'ai. Il n'y a pas un Whitey qui peut. Même si un Whitey envoyait, c'est qu'il est mal pris. Hein? Mais il va enlever l'enfant chez toi. Il va enlever ce qui fait que les enfants manquent dans sa main. Les enfants manquent chaque fois. Elle ne peut pas se remettre en cause. Mais pourquoi je ne garde pas les enfants? Pourquoi moi, c'est ma clientèle, c'est toujours les blacks? Non. Mais c'est pas que tu as ghettoisé ton business. Hein? Mais si tu as ghettoisé ton business, c'est qui va venir? C'est les gens du ghetto qui vont venir là. C'est ça qu'elle a. Donc, de quoi est-ce qu'on me parle? On me parle de quoi? Hein? On me parle de quoi? Revoyez-vous, c'est tout. Revoyez-vous. Il y a une youtubeuse algérienne que je suis. Elle aussi, là, elle critique aussi les comportements dans les choses. Pareil, quand on parle, non, c'est les Africains seulement qui exposent. C'est pareil, vous êtes seulement dans le réseau des Africains. Quand vous pensez que ce sont les Africains seuls qui critiquent. Sinon, les autres aussi critiquent. Les Espagnols critiquent. Voilà. Tout le monde critique aujourd'hui. Chacun critique dans sa communauté ce qui ne va pas. Non, de quoi est-ce qu'on va parler? De quoi est-ce qu'on va parler? Revoyez-vous. Revoyez-vous. Dieu merci. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont sales. Moi, je suis une digne femme africaine. Propre de mes cheveux jusqu'à mes orteils. De tout mon environnement. Partout. Ça dit, ça quand ma maison n'est pas propre là, je suis au travail, c'est comme si à l'époque quand je travaillais encore à l'extérieur, je ne suis pas tranquille. Ben, je sais que si elle vient là, il y a le gros ménage qui m'attend. Mais c'est ça, c'est la vie. La vie en Occident, c'est ça. Donc, les femmes qui sont en Afrique là, oui, c'est vrai, parmi vous là, il y a d'autres qui ont des servantes, mais qui mettent la main à la pâte. N'enviez pas nécessairement celles qui sont ici. La preuve, quand vous venez en vacances, vous voyez comment elles sont sales. Vous voyez comment d'autres nagent dans la saleté ici en Occident. Hein? Les femmes qui sont en Occident là. Vous, quand vous venez en vacances, vous qui êtes en Afrique, vous venez en vacances là. Vous voyez comment elles sont dans la saleté ici. C'est quand elles veulent venir là. C'est là qu'elles s'arrangent maintenant. Tant. Mais quand elle a la maison qu'elle a laissée là, le taudis qu'elle a laissé, puis elle est partie en vacances là. Dieu seul sait dans quel état de délabrement très avancé que sont ces maisons. Est-ce qu'il a dit? Et puis quoi? Et puis quoi? Et puis quoi? Aïe, c'est tout. La personne que ça fait mal là. Parce que le problème c'est quoi? C'est quand tu ne sais pas, c'est que ta camarade n'a pas le couleur et te dit que ta maison est sale. Chérie, tu as mangé? Ok, c'est prêt. D'ici 5 minutes, on va manger. Elle n'a pas le couleur, donc c'est derrière toi, elle s'en va dire. Je suis en train de parler là. Vous-même, vous savez que dans votre collimateur là-bas là, vous avez une amie là, elle est sale. Vous-même, vous savez ça. Mais comment tu as lui dit? Comment tu as dit à ta camarade qu'elle est sale? C'est difficile. C'est difficile aussi, hein, quoi qu'on dise là.
Oui, moi je suis une blogueuse, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais au moins là, j'ai eu le courage de dire à deux, celle qui est aux États et puis celle qui gardait ma fille, je lui ai dit qu'elle était sale. Il m'a dit, tu es sale ma chérie, je te prends ma fille, je ne peux pas te laisser ma fille dans ta main. Et depuis ce jour-là, ce qui a fait que j'avais même peur de faire ce métier-là. Il dit, ah, parce que les femmes disent que c'est dur, mais quand ma grande soeur a fait ça, je venais chez elle, tout est clean, clean. À chaque chose, ça dit, chaque chose est placée, tout et tout. Quand ma conseillère vient ici, là-bas, nous on reçoit des visites comme ça à l'improviste. Toutefois que la conseillère vient, Monique, toi, quand j'arrive chez toi, il n'y a jamais de rapport que avec lequel je vais partir. Je dis, ben, parce que je suis à mes affaires. Oh que oui, l'impacteuse est à ses affaires. Je n'aime pas, ça dit, je n'aime pas le, ça dit, j'aime pas qu'on me reproche ce qui est évident. Quelque chose, on t'a dit, c'est comme ça, ça doit être. Tu fais le travail, voici ce que tu dois faire. Non, c'est pas ça. On arrive dans vos environnements, c'est de la bullshit. On arrive là-bas, on ne peut pas respirer. Et elles sont là. Là, maintenant, quand elles reçoivent la visite, elles vont se gratter la tête. Et ici, là, la salle de bain, là, on allait nettoyer ça hier. Hein, les enfants, là, même, ont sali la salle de bain. C'est toujours comme ça. J'ai dit que quand tu vois quelqu'un en train de se justifier, là, ça veut dire que c'était comme ça depuis longtemps. C'est ce que j'ai à dire. Sur ce, prenez soin de vous. Moi, il est l'heure de souper. Dans 10 minutes, on soupe. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Partagez le direct. Partagez le direct. Les personnes qui se sentent, ça dit que ça, qui se sentent concernées, arrangez vos environnements. C'est tout. Il n'y a pas autre discours dans ce qu'il a dit. Il n'y a pas de mélange pour dire que c'est toutes les Africaines ou bien la femme africaine est sale, tout et tout. J'ai dit qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui sont très sales en Occident. C'est ce que j'ai dit. C'est ma dernière parole. Merci beaucoup. Bonsoir chez vous. Au revoir.